Très chers amateurs de thé, bonjour, bienvenue chez moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Nous voilà de nouveau pour un nouveau cours de thé, cette fois-ci sur le pu'er. C'est un petit peu la deuxième partie d'un cours que nous avions commencé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons vraiment parlé plus de la théorie et de l'histoire, de la définition du thé pu'er cru. Et cette semaine, comme nous n'avions pas vraiment assez de temps, je vais vous montrer comment passer de la théorie à la pratique. Et c'est d'ailleurs souvent un des grands challenges pour les amateurs de thé, c'est de passer justement de cette théorie à la pratique. Parce que si on trouve beaucoup de contenu qui est assez bon sur la théorie, quels sont les différents terroirs à Hunan. Maintenant, il y a beaucoup d'informations quand même qui est disponible dans le monde occidental sur le thé. Ce n'était pas vraiment le cas il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé à étudier le thé, mais maintenant c'est à peu près le cas. Par contre, ce qui reste le plus problématique, c'est d'arriver à faire un match, à faire correspondre la théorie et la pratique. Hein, on arrive à avoir des bonnes informations, mais avoir des bonnes feuilles, ça c'est encore une autre chose. Et quand on a les bonnes feuilles, est-ce qu'on sait bien les préparer? Ça c'est encore une autre paire de manches. Alors j'espère que vous trouverez cette vidéo intéressante. Mettez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Et si vous me suivez en live, vous pourrez me poser des questions à la fin de cette vidéo. Et si vous me suivez sur YouTube, en différé, à ce moment-là, vous pouvez me les poser en commentaire. N'hésitez pas à le faire. Je suis là pour ça, pour répondre à vos questions et également pour boire du très bon thé. C'est ce que nous allons faire. Alors, comment bien préparer le thé? Souvent, le thé pu'er cru, il se présente sous forme compressée. Là, nous avons une demi-galette de pu'er cru que j'ai déjà bien entamée. Et je vais vous montrer comment procéder à partir de cette demi-galette. Cette galette, c'est ma galette de Linsan du printemps 2006. Dans mes deux cours précédents, j'ai utilisé ma galette de Yiwu de 2003. Si ça vous intéresse, en allemand et en anglais, vous pourrez voir ça par la suite. Donc celle-là, elle a été faite 3 années plus tard. Le Yiwu, c'est une des 6 montagnes les plus célèbres dans le monde du pu'er, parce que c'était une des 6 montagnes qu'on utilisait comme cadeau pour l'empereur durant la dynastie Qing. Ensuite, maintenant, dans la période un peu plus moderne, on a découvert d'autres endroits où il y a des très bons pu'er. Le Linsan, c'est un des endroits. Le Banzang, c'est peut-être encore l'endroit le plus connu. Voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, nous découvrons sur la face. Il y a toujours deux faces, hein, à une galette. La face de devant et la face de derrière. Derrière, c'est là où on a ce rond incurvé où, quand on utilise la vapeur pour presser le pu'er, on utilise donc un morceau de tissu qu'on va enrouler. Et la boule qu'on enroule, elle est pressée au milieu de la galette à l'arrière. Et c'est pour ça qu'il y a cette dépression au milieu de la galette. Donc ça, c'est la face derrière et ça, c'est la face devant. Qu'est-ce qu'on remarque? Beaucoup, beaucoup de bourgeons et des bourgeons qui sont de grande taille. Ça, c'est un très bon signe pour la qualité du thé. Les bourgeons, c'est ce qui est le plus léger comme feuilles. Hein, ce sont aussi les feuilles qui sont les plus concentrées en arômes, vu que ce sont des petites feuilles qui vont devenir grandes. Donc ce sont elles qui concentrent le plus d'arômes. Et comme elles sont très petites et légères, c'est par rapport aux autres feuilles, c'est aussi les feuilles les plus chères. Donc
D'habitude, les producteurs aiment bien mettre beaucoup de bourgeons sur la face avant, mais pour faire bien, quoi, pour faire joli, parce que les consommateurs aiment bien ça. Mais il faut regarder surtout à l'arrière, est-ce qu'il y en a aussi? Parce que souvent, autant le producteur fait attention à la face avant, il fait moins attention à la face arrière. Et donc, si on veut savoir s'il y a vraiment beaucoup de bourgeons dans la galette, il faut vraiment regarder à l'arrière, surtout. Et là, je vois qu'il y en a aussi. Leur couleur est brillante. Hein, elles ont une belle couleur. Et surtout, les feuilles, elles sont vraiment bien distinctes les unes des autres. On voit que ce sont des feuilles bien, bien entières. Les couleurs sont un peu différentes parce que en vieillissant, maintenant, donc cette galette elle a 16 ans. En vieillissant, selon le degré d'humidité dans les feuilles vont avoir des couleurs un peu différentes. Donc c'est normal que les couleurs soient différentes selon la taille des feuilles. La couleur la plus claire va être le bourgeon, justement. Alors, comment faire maintenant pour une fois qu'on a vu tout ça, hein, donc on a pu voir que c'est vraiment une très jolie galette avec du bon matériel dedans. Alors, l'idée, c'est on va éviter de casser les feuilles. C'est pour ça que je ne conseille pas d'utiliser un couteau. Mieux vaut attendre que la galette, avec un peu d'humidité, avec un peu de temps, sur les bords, les feuilles vont commencer à être un peu plus faciles à enlever. Donc là, on peut les faire bouger d'un côté à l'autre. Hop, et là, au bout de quelques instants, elles se détachent. Donc n'essayez pas de les casser en insistant d'un seul coup. Faites des petits allers-retours, un petit peu comme des massages. Hein, si vous aimez bien jouer au Mikado ou bien au Jenga, vous voyez peut-être un peu ce que je veux dire. Hein, le Jenga, il s'agit de faire sortir les morceaux de bois de la tour sans faire tomber la tour. Donc là, on essaie de sentir quels sont les petits morceaux de bois qui peuvent sortir sans faire tomber la tour. Là, un peu pareil. On touche un petit peu toutes les feuilles jusqu'à ce qu'on trouve celles qui sont les plus faciles à décortiquer. Et donc on les décortique, on les enlève sans les casser. Cette étape est vraiment importante. C'est également une étape où on apprend un peu la patience. Hein, on se met dans le bain de la déjà de la préparation du thé, donc on n'est pas pressé. L'idée c'est d'arriver à ne pas casser les feuilles parce que plus elles sont cassées, à chaque cassure, il y aura de l'astringence qui va sortir. Hein, quand il y a une plaie, hein, la feuille va émettre des goûts un peu astringents. Donc il faut faire attention. Voilà, jolie feuille. Un peu comme Mikado, j'essaie de les sortir sans les casser. Alors, n'oublie pas que le pu'er, surtout les pu'er crus, sauvages, les gouchous, les vieux arbres, ce sont des pu'er très très puissants. Donc on n'a pas besoin de tant de feuilles que ça. Là, je vais bientôt m'arrêter, ça va bientôt me suffire. Hop, on prend encore un bourgeon ou un autre. Voilà. Je crois que ça va me suffire. Je les mets sur cette petite assiette. Encore une. Voilà. Allez, encore ce joli bourgeon. Voilà.
Vraiment, c'est un bourgeon doré. Et vous voyez comme il est grand, comme il est long, ce bourgeon. Plus ils sont longs, il y a un rapport entre la longueur des bourgeons et la taille des arbres, donc leur âge. Nous allons maintenant procéder à l'infusion. Tiens, il y a encore une petite feuille qui est tombée. Donc l'idée de ce cours, c'était d'infuser un pouvoir qui convient bien à la saison froide. C'est pour ça que j'utilise plutôt une théière en niching. En plus, c'est un pouvoir maintenant qui a 16 ans, donc je le connais déjà très bien. Je l'ai déjà infusé de nombreuses fois en porcelaine Gaiwan. Et donc, je peux, pour en extraire encore plus d'arômes, l'infuser en théière Yixing. Là, j'ai choisi une Zesha pour encore mieux harmoniser les arômes et le goût. On va préchauffer la théière. Comme d'habitude, le préchauffage, c'est un moment également de concentration et de calme. Donc on veut infuser, on veut verser l'eau à la même vitesse qu'on va utiliser pour préparer le thé. Donc là, j'y vais très doucement. Quand on verse doucement, on accentue le goût, la longueur du goût. Alors que quand on verse rapidement et quand on infuse court, on va plutôt insister sur les odeurs, sur les fragrances. Le pu'er, quand même, surtout les pu'er gushu, leur intérêt est surtout dans la longueur en bouche, dans cette force qu'ils ont. C'est pour ça qu'il vaut mieux les infuser très très, ouais, c'est chaud, très doucement. Je verse les feuilles très doucement dans la théière. C'est juste une qui tombe à côté. Voilà. Elles ont pris une forme au milieu, comme un petit monticule. Cette forme tout à fait naturelle obtenue par en laissant tomber les feuilles bien au milieu de la théière permet qu'elles vont s'ouvrir dans tous les sens, qu'elles auront à peu près le même espace chacune pour s'ouvrir. On les a bien décortiquées. Parce que si on ne décortique pas les feuilles et qu'on a plusieurs feuilles qui sont collées ensemble, encore compressées ensemble, qui vont dans la théière, à ce moment-là, les feuilles au milieu, elles ne reçoivent pas l'eau au même moment que les feuilles qui sont à l'extérieur. Et ça fait qu'elles ne vont pas donner les mêmes arômes au même moment. Et donc l'infusion est moins harmonieuse. Je ne verse pas d'eau sur la théière. Donc on n'a pas mis tellement de feuilles que ça. On a un petit peu plus de temps pour laisser infuser, puisqu'on veut surtout la longueur en bouche. Donc on n'est pas pressé, on peut vider nos coupes doucement et en faisant attention.
écoutez un petit peu le bruit de l'eau. On rapproche un peu les coupes. L'avantage, c'est que si il y a des gouttes qui tombent à côté, elles vont tomber plutôt dans la coupe d'à côté plutôt que sur le tchabou. C'est pour ça aussi que je commence plutôt ici. C'est surtout au départ que c'est plus compliqué de verser. Quand la théière est pleine. Une fois que la théière est vide, c'est plus simple. Donc c'est au départ qu'il faut être placé au-dessus d'une autre coupe. Là, vous avez vu une petite goutte qui était tombée là. La couleur est déjà bonne. On va verser doucement. En ouvrant un petit peu le couvercle avec le doigt. Et donc en faisant un petit aller-retour entre les coupes. En faisant attention de ne pas les remplir complètement l'une après l'autre, sinon la première aurait une infusion très légère et la dernière une infusion très forte. Là, en passant d'une à l'autre, on a équilibré les arômes. On a une belle couleur, on a une belle transparence. Je vous montre ça. Et là, des odeurs qui sont plus brillantes, qui sont plus fraîche que celle de Yiwu. C'est les odeurs vraiment typiques de l'insang. Qui sont vraiment très très belles. Mais avec un goût très très bon, très très... qui capitonne vraiment le palais. Beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie et beaucoup de pureté. C'est ça aussi la différence entre les galettes qui ont été faites après l'an 2000, après la fin du monopole et avant, quand les galettes venaient de Monghai, de Xiaguan, etc., quand c'était encore le monopole sous les communistes, ils ne faisaient pas vraiment de thé d'un seul endroit, avec une seule origine de feuilles. Ils faisaient toujours des assemblages. Ça leur permettait de pouvoir faire plus de galettes en un seul coup, alors que si on fait forcément des thés d'un seul endroit, on a beaucoup plus de produits différents. Donc là, ils ne voulaient pas s'embêter, les communistes, à une façon d'assembler, et puis après, ils pouvaient en faire beaucoup, beaucoup de galettes similaires. Mais là, on est dans des... avec le Yiwu, avec le Linsang, on est dans des galettes qui viennent vraiment d'un endroit très spécifique, avec qui ne sont pas issues d'assemblages de différentes récoltes ou bien de différents endroits, mais une seule saison et un seul endroit, et avec des feuilles de très haute qualité, donc beaucoup de bourgeons. On a vu très peu de huangpian. Les huangpian, ce sont les feuilles jaunes, qui sont les feuilles matures, qui sont un petit peu vieilles, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. On en trouve dans le Baobao, dans le 85-82, et qui apportent une certaine puissance et un fort arrière-goût. Mais qui ont moins de finesse. Donc là, on est tout en finesse, bien qu'on soit en train de déguster du pu'er. Là, je vais vous montrer, si vous voyez, il y a très très peu de feuilles. Elles sont bien vertes, elles prennent à peine 25% du volume de la théière. Là, je garde le couvercle fermé pour que la température soit la plus élevée possible à l'intérieur pour la prochaine infusion, pour que plus d'arômes sortent encore de ces feuilles. Donc là,
Pour mon cours précédent en allemand, j'avais dégusté le IU. Là, je passe au Linsang et effectivement, on sent qu'il y a un petit peu plus de jeunesse, puisque c'est 2006 au lieu de 2003, mais également des odeurs un peu plus attrayantes, un peu plus et peut-être encore plus de sucré. La IU était très très douce, très sucrée. Là, c'est peut-être encore plus sucré même. Très très bon. Voilà, je regarde rapidement si vous avez des questions. Marie, bonjour Vlad, bonjour Olivier, bonjour Cave Millésime. Donc ça c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Pour passer de la théorie à la pratique, il faut également déguster ces grands pu'er pour et même c'est les grands houlons, enfin même tous les grands thés. Pour mieux comprendre c'est quoi leurs arômes, quoi leurs caractéristiques. On peut essayer de faire des longs poèmes, des longues descriptions théoriques de ce qu'est un pu'er, de ce qu'est un pu'er Iwu, de ce qu'est un pu'er Gushu de Linsang, mais le mieux c'est encore de le goûter et en une seule tasse vous avez un bien meilleur aperçu qu'une page de texte. Donc là, profitez-en surtout pendant que ces thés sont encore disponibles de nos jours. Donc, je l'explique parfois malheureusement à certains amateurs, les prix des thés Gushu continuent à augmenter d'année en année et ils deviennent de moins en moins abordables. La plupart restent en Chine parce que faut voir déjà que autrefois tout le pu'er était exporté. Quand il n'y avait pas tellement de... à Taïwan, il y a 20 millions de personnes et tous ne boivent pas du pu'er. La Hunan exportait tout à l'époque vers Taïwan et Hong Kong, c'était encore 10 millions. Mais maintenant, c'est quoi le marché du pu'er? C'est la Chine. C'est plus d'un milliard de clients potentiels. Donc, ces thés de qualité, d'exception, on n'arrive plus à les avoir à Taïwan. En un instant, ils sont achetés en Chine à des prix stratosphériques par rapport à ce qu'ils coûtaient au début des années 2000. Donc, heureusement, on plante beaucoup de plantations de pu'er. Donc ça c'est une alternative, mais si vous voulez encore goûter ce qui se fait de mieux, le summum, c'est Gushu Pu'er. Il y a encore une petite fenêtre de tir pendant quelques années, avec les stocks qu'il y a à Taïwan. Et c'est mieux comme ça de pouvoir le déguster que de simplement lire des descriptions. Voilà, donc ça c'était... mon petit cours pour vous montrer comment passer du cours théorique qu'on avait fait la semaine dernière à la pratique, comment infuser un thé pu'er quand il fait froid avec une théière en Yixing. J'espère que ça vous a plu et que cela vous aura donné envie de boire un bon pu'er. Je vous dis à la semaine prochaine où on va déguster ensemble un premier thé vert de printemps de cette année, qui a été récolté le 17 mars, il y a quelques jours seulement. Non, le 13 mars. Je l'ai eu le 17 il a été récolté le 13. Et donc en fait, il y a exactement une semaine. Et donc, on va le boire ensemble pendant le cours la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt. Bye bye.